Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024. Il est 17h et j'ouvre la 21e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Je rappelle, avant de commencer, que toutes les informations que je communique sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises, noir sur blanc, à l'écrit et en audio, depuis le début de l'année 2016 et depuis 8 ans donc, par mon principal contact extraterrestre, Zen. Ce n'est ni de l'hypnose, ni de la télépathie, ni de la canalisation. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de plusieurs conversations que j'ai eu en 2017 et 2018 et que j'ai présenté pour la première fois au public le 21 septembre 2018, ainsi que dans mon livre « Premier contact » dans les articles 30, 31, 32 et 33. Dans les visioconférences du dimanche, en prenant chaque semaine conscience des transmissions de mes contacts extraterrestres, vous apprenez à observer la Terre comme ils le font. Lorsque toute la planète sera passée en 5D, en 50 Hz, le plus grand défi qui se posera à nous sera la vie interstellaire, nos relations avec nos voisins de l'espace, des relations qui seront interraciales, intercroyances, intercomportementale avec des personnes que nous connaissons à peine, au travers du prisme de leurs contacts beaucoup trop rares et beaucoup trop discrets à mon goût. Pour approfondir votre regard de ce que cela signifie d'être interstellaire, je vous propose de regarder une toute petite partie de ce que voient les extraterrestres quand ils observent les humains depuis la cinquième densité. La manière de percevoir les choses est différente. Sur Terre, nous observons l'espace en tournant notre regard vers le haut et les extraterrestres regardent la Terre en tournant leur regard et leur esprit vers le bas. Après avoir porté notre attention dimanche dernier vers les starseeds, les émissaires stellaires, arrivés ici sur Terre sous différentes formes, avec des missions variées, voyons maintenant de qui ou de quoi est composé le reste de la population. Nous allons aborder 7 grands points que je vais énumérer lentement pour que vous puissiez les noter. Voici la liste. Premièrement, les hybrides. Deuxièmement, les hybrides. Troisièmement, les humains vides ou non réels. Quatrièmement, les clones. Cinquièmement, les humains bioniques. Sixièmement, les Borg. Et septièmement, nous aborderons le très fascinant sujet du passage de la vie à base carbone vers une base silicium. Commençons par la première catégorie des hybrides. L'hybridation est le croisement naturel ou artificiel de deux individus, de plantes ou d'animaux, d'espèces, de races ou de variétés différentes. Les hybrides stellaires ont un codage génétique à la fois humain et extraterrestre, mais ils ont une conscience extraterrestre. Ce type d'hybride est le résultat du croisement de deux espèces d'hominidés aux caractéristiques proches, originaires de deux planètes, aux biotopes similaires, capables de procréer
une descendance féconde afin d'assurer la perpétuation de la lignée. Pour que ce type de croisement puisse être effectivement réel, éloignons-nous quelque peu du géocentrisme terrien qui considère que seule la planète Terre est habitée et qu'elle seule serait le lieu primal de l'expansion spatiale de l'espèce humaine. Émettons les idées suivantes. Des planètes peuvent avoir des stades de développement plus ou moins avancés. Par exemple, en 2016-2017, les Andromédiens effectuaient l'arpentage et les relevés d'une planète qu'ils avaient nouvellement découverte et qui était complètement vierge de population. La faune présente n'était ni agressive ni prédatrice. A contrario, d'autres planètes qu'ils étudiaient étaient déjà développées et habitées, mais elles n'avaient pas encore atteint l'ère industrielle. Des exoplanètes ayant des biotopes similaires à ceux de la Terre sont déjà habitées. Elles sont pour l'instant encore inconnues des scientifiques terrestres. Troisièmement, avant de devenir endémiques sur Terre, des proto-humains ont été implantés par des races interstellaires rompues à l'art de développer de nouvelles planètes, notamment les Diazali Antiplex de la lignée arcturienne, également appelés les jardiniers, et les étortants experts généticiens. Quatrièmement, d'autres espèces d'hominidés ayant les mêmes caractéristiques que les terriens avaient déjà atteint l'interstellarité sur une autre planète qu'ils ont quittée dans des missions d'exploration spatiale ou durent partir à la suite de la colonisation de la leur. Ces peuples ont atterri sur Terre, s'y sont installés, s'y sont développés. Ils ont apporté leur savoir astronomique, leur technique, leur technologie, leur système de valeurs et de croyances. Cinquièmement, ces mêmes espèces ont pu perdurer par interfécondation avec les proto-espèces endémiques à la Terre, car en dépit des déclarations scientifiques que jamais plus d'une seule espèce d'homme n'a existé au même moment, les lignées néandertaliennes et denisoviennes se seraient côtoyées en même temps. Il y aurait donc eu deux types d'humains, d'un côté une origine endogène, d'origine terrestre, des proto-humains, et d'autres exogènes, d'origine extra-planétaire. Ces deux lignées ont évolué simultanément pendant des périodes plus ou moins prolongées au sein des mêmes biotopes et se sont interfécondées. L'interfécondation est le résultat de la reproduction qui est un processus biologique qui permet d'engendrer de nouveaux organismes d'une espèce à partir des individus préexistants de cette espèce. Pour que la descendance soit féconde, elle ne se produit qu'entre individus d'une même espèce, par exemple des lions avec des lionnes. Pour une question d'incompatibilité d'appariement, de chromosomes, il n'existe pas d'interfécondation entre des espèces distinctes et éloignées, comme par exemple entre une baleine et un hippopotame. Il existe deux types d'hybridation. L'hybridation naturelle, c'est la reproduction entre deux espèces distinctes mais suffisamment proches d'un point de vue physiologique qui ont recours au processus normal de reproduction sexuée. Mais l'hybride femelle sera peu fertile et l'hybride mâle sera stérile, comme c'est le cas du zébrane, un hybride entre un zèbre et une ânesse.
ou du léopon, l'hybride entre un léopard et une lionne. Le deuxième type d'hybridation est artificielle. Elle peut ignorer certaines normes et être provoquée en ayant recours à des techniques de fusion de deux espèces pour former un nouvel hybride héritant de propriétés génétiques sélectionnées consciemment. Les hybrides intraspécifiques seront généralement fertiles, tandis que les hybrides interspécifiques seront peu fertiles, voire stériles. De la même manière, si certaines espèces, par exemple les Terriens et les Pléiadiens, sont physiquement compatibles, car ils appartiennent à des espèces d'hominidés proches, l'appariement des chromosomes ne correspond pas et l'accouplement, s'il reste possible, ne permet pas la naissance d'hybrides fertiles ni de faire émerger une nouvelle lignée hétéropléiadienne, ce qui signerait la fin de la lignée pléiadienne sur Terre. Deuxième catégorie, les hybrides. Hybride est un mot qui a été inventé par l'historien et ufologue américain David Jacobs. Les hybrides sont issus d'une interfécondation entre terriens et extraterrestres effectuée par ces derniers dans un vaste programme secret d'infiltration de la société terrienne dont la finalité serait de prendre le contrôle de la Terre. Les hybrides ont un codage génétique à la fois humain et extraterrestre, mais ce sont des âmes, entre guillemets, terrestres, contrairement aux hybrides extraterrestres qui, eux, ont une âme extraterrestre. Les extraterrestres ont recours à des manipulations génétiques dans différents buts. Peupler une planète vierge d'espèces d'hominidés spécifiques à cette planète. Repeupler une planète détruite où l'espèce humaine est éteinte. Injecter une nouvelle dynamique de reproduction pour une espèce qui s'éteint. Augmenter, corriger les traits physiques, comportementaux ou mentaux d'une espèce existante. Transformer des mécanismes de reproduction ou s'approprier une planète par la force des armes, la vider de ses populations en les délocalisant sur une autre planète par exemple, puis la repeupler en y installant une nouvelle espèce adaptée aux besoins et aux usages du conquérant. De nombreux récits d'enlèvement extraterrestres font état de programmes de reproduction à vaste échelle. Communication télépathique, paralysie, amnésie, petits êtres gris avec de grands yeux noirs, copulation, examen physique, extraction d'ovules, de spermatozoïdes, ainsi qu'extraction et implantation fœtale. Les témoignages abondent. L'un des cas les plus célèbres de relations sexuelles et d'hybridation entre terriens et extraterrestres fut celui en 1954 de la sud-africaine Elisabeth Clareur, qui mentionne dans son ouvrage « Beyond the Light Barrier », publié en 1980, ses contacts pendant 9 ans jusqu'en 1963 avec le centaurien Hakon de la planète Méton, la plus petite planète du système solaire, Alpha Centauri, où s'est installée une colonie Nord, N-O-O-R, l'un des archétypes proto-humains. La relation entre Elisabeth et Hakon fut consommée, de laquelle est né leur fils Elling. Elisabeth Clareur vécut sur Méton mais dut revenir sur Terre
et elle laissa leur fils à la garde d'Akon. Elling est devenu un astrophysicien, sillonnant l'espace en compagnie de son père. Il existe de très nombreux cas comme celui-là. Alec Newald, par exemple, est quelqu'un que je connais pour avoir échangé avec lui pendant plusieurs années. Il est néo-zélandais et il rapporte dans son livre « Co-évolution » publié en 2011 qu'il a été abducté pendant 10 jours en février 1989. Dans son ouvrage, il rapporte ses rapports sexuels avec une femme extraterrestre dans le but de développer sa race en voie de disparition. Les hybrides connaissent leurs origines, mais de nombreux hybrides sur Terre qui sont le résultat du programme de reproduction n'en ont aucune idée car leur mémoire et celle de leurs parents sont effacées. Ils vivent sur Terre de la même manière que le reste de la population. Ce sont des starseeds, des émissaires stellaires, qui présentent en général des comportements et des capacités supérieures à la normale, par exemple la clairvoyance développée, la clairaudience, la capacité à guérir, des connaissances spirituelles souvent au-delà des systèmes conventionnels. Ils sont notamment capables d'utiliser leurs compétences télépathiques plus avancées pour créer de multiples niveaux de communication, d'humain à humain ou alors d'humain à extraterrestre. L'hybridation entre extraterrestres de différentes planètes est possible entre des lignées proches, par exemple des Antariens de la constellation du Scorpion et des Pléiadiens de la constellation du Taureau. L'un de mes contacts pléiadiennes-antariennes, qui fut aussi le contact du président Dwight Eisenhower, en 1954, la maréchale Rachel de Temer, qui est une femme hybride entre sa mère Zoéa de Temer, pléiadienne tégétane, et son père Cartil, immigrant originaire d'Antares. J'ai parlé de Rachel dans la vidéo numéro 2022, trait d'union 105, sur YouTube et vous pourrez vous y reporter. Troisième catégorie de cette présentation, les humains vides, sans âme ou non réels. Pour les étortants, aussi appelés les grands gris à nez plat, il n'y aurait que 10% de la population terrestre qui aurait une âme. Le reste sont des personnes non réelles. Sur 100 personnes, 90 sont non réelles. Donc dans un groupe de 10 personnes, dans une communauté de 10 personnes, une seule personne est réelle. Les personnes réelles sont des individus possédant une âme et ayant vécu dans d'autres lieux ou d'autres planètes auparavant. Les personnes non réelles n'ont pas d'âme. Elles sont souvent profondément intégrées dans le système et la société terrestre et incapables de penser hors des sentiers battus. Comme il faut une âme pour diriger et faire fonctionner un corps physique, les personnes non réelles fonctionnent grâce au programme proposé dès la naissance par les contrôleurs ou des intelligences artificielles, ou les structures et les règles de la matrice terrestre. Lorsqu'on leur retire leurs croyances et leur adhésion à ces programmes, elles ne savent pas comment réagir et sont comme paralysées ou anesthésiées. C'est pourquoi, avec certaines personnes, il ne faut surtout pas essayer de les changer. Que ce soit des membres proches de votre famille, des amis ou des collègues. Ils ou elles n'ont pas les capacités de pouvoir s'éveiller, ni ne veulent le faire d'ailleurs, même si vous expliquez clairement la réalité terrestre. Les programmes de la matrice terrestre
sont complexes. Ces personnes ont l'air de réagir de manière sensible, mais ce n'est pas le cas. Et il faut ajouter néanmoins que parmi ces groupes de non-éveillés, beaucoup de vraies personnes avec une âme ne sont pas destinées à être éveillées. Elles ne sont là que pour l'expérience spirituelle qu'elles souhaitent vivre en s'incarnant sur Terre. Elles sont là pour le voyage, pour le fun, mais pas pour mettre en œuvre une mission. La matrice terrestre, m'a dit Zen, est réelle. Ce n'est pas une théorie. La matrice lit nos pensées et manifeste une illusion stimulant nos cinq sens afin que nous expérimentions l'illusion de ce que nous voulons vivre. Et si toute une immense population veut vivre la même illusion, alors cela fonctionne plus puissamment et plus rapidement parce que c'est un collectif. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet miroir du monde intérieur, des gens qui s'y trouvent et qui le créent. Donc si 90% de la population crée une illusion, c'est ce qui existe sur Terre. Ce que vous voyez dans le monde, ses problèmes, ses choses merveilleuses, son art, ses guerres, ses souffrances, est le reflet parfait de l'esprit des gens qui le composent. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Si vous changez ce qui est à l'intérieur de vous, vous changez simultanément et instantanément tout l'extérieur. Mais chez les personnes irréelles, il n'y a personne à l'intérieur parce que ils ou elles ne se sont pas trouvés. C'est vide. Et ces personnes sont les personnes clés qui manifestent la matrice terrestre et tout ce qui est conventionnel et qui s'articule autour de tout ce que vous connaissez et que vous avez appris dès votre naissance. Les irréels travaille avec un seul cerveau global, comme une ruche, et la mémoire de ce cerveau est enregistrée dans ce que l'on appelle les annales akashiques. Quatrième catégorie, les clones. Les clones sont monnaie courante dans le monde non terrestre et c'est un domaine en pleine croissance également sur Terre. Des échanges et des opérations commerciales ont lieu quotidiennement à très grand niveau entre planètes et entre espèces. Des recherches et la production de centres de clonage impliquent la création de nombreuses formes hybrides ainsi que des personnes entièrement créées depuis leur ADN ou qui sont génétiquement modifiées. Les centres de clonage se situent souvent dans des bases souterraines occupées à la fois par des terriens sélectionnés ayant un accès et un travail très cloisonné en niveau de secret. Ces bases autonomes sont entièrement aménagées et approvisionnées. Elles sont gigantesques et elles sont aussi étendues que les villes en dessous desquelles elles se situent. Elles disposent de technologies inconnues du grand public et sont alimentées en électricité par des centrales nucléaires en surface. Comme dans un hôpital, chaque base a ses propres entrées ou points d'accès et des routes. Elles sont accessibles en voiture. Il y a des ascenseurs ultra rapides, un réseau international de trains électromagnétiques maglev à grande vitesse, 1200 km/h. Les réseaux couvrent l'ensemble de la planète
et relie les bases entre elles sous n'importe quel continent et sous n'importe quel océan. Chaque niveau est divisé en départements de recherche avec des laboratoires spécifiques. Les premiers niveaux sont réservés au personnel humain et les niveaux en profondeur au personnel extraterrestre ainsi qu'aux recherches ultra-secrètes. Ils accueillent également des centres de divertissement pour les élites, ce qui implique que la production de ces centres de clones humains terrestres ou extraterrestres et des formes hybrides sont utilisées pendant les festivités. Les clones sont fabriqués depuis un ADN récupéré depuis un cheveu, de la peau ou du sang et sont cultivés, entre guillemets, dans des capsules médicales, des medbeds ou des poches artificielles remplies d'un liquide amniotique. Puis, le transfert de l'âme est effectué par le biais d'un processus de copier-coller. La coquille électromagnétique de la conscience dans le cerveau est déplacée artificiellement vers le corps d'un clone compatible, c'est-à-dire avec des fréquences synchronisées. Les clones qui ressemblent en tout point à des humains sont ensuite utilisés pour de multiples opérations sociales, militaires, sexuelles, religieuses. Ils vont vivre pendant un laps de temps déterminé, allant de quelques heures à quelques jours, quelques semaines, quelques années, et ils ont, selon leur mission, une date d'obsolescence. Vous pouvez également consulter mon livre Premier Contact et visionner sur ma chaîne YouTube la vidéo numéro 2022 trait d'union 35 et le direct correspondant 2022 D8. Le point numéro 5 sont les humains bioniques. La fusion entre la biologie et la technologie, l'hybridation qui n'était encore qu'un concept il y a quelques années, fait de plus en plus partie de notre quotidien, comme par exemple l'identification numérique, les téléphones portables, le GPS satellitaire, la domotique, les lunettes de réalité augmentées ou les moteurs de recherche dotés d'intelligence artificielle de plus en plus avancée et des robots de plus en plus intelligents et performants, des voitures volantes et sans chauffeur, et les smart cities ou villes 15 minutes. L'intelligence artificielle devient d'ailleurs de plus en plus consciente d'elle-même dans ses rapports avec les humains. Toute cette technologie fait référence au concept d'hybridité comme un devenir vivant de l'espèce Homo sapiens. Les extraterrestres vivent dans des maisons gérées intégralement par des intelligences artificielles très avancées qui sont capables de penser, parler, ressentir et évoluer de manière autonome. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils communiquent avec cette intelligence artificielle domotique comme avec un animal familier. Mais en parallèle, cette maison, ils l'ont construite de leurs propres mains, de A à Z, en compagnie d'un groupe d'amis, en utilisant des matériaux écologiques mis à leur disposition gratuitement dans d'immenses dépôts qui ressemblent à nos centres commerciaux. Ils ont aussi des vaisseaux ultra sophistiqués qu'ils utilisent pour se déplacer sur leur planète, donc il n'y a aucune route avec de l'asphalte, seulement de petits sentiers pédestres, et ils se déplacent avec leur vaisseau comme nous utilisons les voitures sur Terre, mais ils construisent ces vaisseaux eux-mêmes. Ils ont un mode de vie proche et respectueux de la nature sauvage, de l'eau, de la faune et de la flore, et en même temps, ils explorent l'espace à des vitesses supraluminales. La sixième catégorie sont les Borg. Ce
qu'il suit m'a été racontée par Zen en 2017, alors qu'il me décrivait les différentes espèces extraterrestres qu'il connaissait pour les côtoyer tous les jours. À l'époque, il m'a signalé qu'une tentative de contrôle d'une zone galactique était en cours par des équipages de Borg à bord d'un vaisseau spatial de forme cubique qui est brusquement apparu. Le Borg est un drone bio-humanoïde qui a une apparence d'humain, c'est-à-dire androïde pour un homme ou gynoïde pour une femme. C'est un robot non sexué qui se tient debout comme un être humain, comme ceux qui sont en train d'être développés sur Terre d'ailleurs, et qui sont dirigés par des intelligences artificielles extrêmement avancées et connectées en permanence en réseau. Leur groupe forme un ensemble supra-individuel, un égrégore constitué de leurs pensées, de leurs intentions, de leurs stratégies et toutes les données qu'ils collectent dans tous les domaines, quelle que soit la planète. Ils sont réunis en une sorte de ruche où prévaut la loi de la communauté à laquelle l'expression de l'identité personnelle est soumise, c'est-à-dire que la communauté passe avant toute chose. Leur corps physique est constitué d'une base organique de type humain, clonée, fusionnée avec des tissus synthétiques et des implants cybernétiques. Les implants leur permettent de communiquer sans avoir recours à un langage articulé, oral ou écrit, et de partager les informations à tous les niveaux, instantanément entre eux. Dès que l'un le pense, tous les autres le pensent. Ça leur permet aussi de se connecter à d'autres systèmes numériques, par exemple à l'Internet terrestre, aux bases d'identité numérique ou d'infiltrer les systèmes offensifs ennemi. Un Borg est le plus souvent doté d'appendices, outils qui lui permettent d'accroître son domaine de compétences et ses capacités physiques et de réparer les structures d'un vaisseau spatial, par exemple. Ils n'ont pas de culture spécifique. Les arts, la musique, les religions, les sciences, les connaissances ne sont utiles que parce que ce sont des données qu'ils récupèrent pour les assimiler, mais les émotions qui y sont associées n'ont aucune pertinence pour eux. Lorsqu'ils colonisent une zone de l'espace ou une planète, ils assimilent les espèces les plus évoluées qui possèdent un savoir, des techniques ou des technologies qui leur permettront d'élargir le savoir global du collectif. Et ils se débarrassent des populations. Ils sont perfectionnistes et ils ciblent l'assimilation systématique de toutes les espèces qui croisent leur chemin afin d'acquérir assez de connaissances pour évoluer vers le stade ultime de la perfection. À ce propos, vous pouvez aussi consulter mon livre Premier Contact sur ce thème et une autre vidéo et un autre direct, la vidéo 2022 trait d'union 26 et le direct correspondant 2022 D5. Voyons maintenant le septième point qui est le passage de la vie à base de carbone vers la vie à base de silicium. D'après Zen, nous serions sur Terre dans une phase de transition entre l'humain bionique, bio-humanoïde, donc nous quittons l'être humain tel que nous le connaissons, biologique, qui naît, se développe et meurt, qui a des émotions, etc. Et nous sommes en train de passer vers l'humain bionique, bio-humanoïde, et une société similaire à celle des Borg. La transition bionique actuelle est une voie grande ouverte vers une vie terrestre à base de silicium et non plus à base de carbone. Voici
quelques différences entre la vie basée sur le carbone et celle basée sur le silicium. La vie basée sur le carbone est l'élément de la vie sur Terre jouant un rôle majeur dans les processus métaboliques. Les molécules organiques, telles que les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques, sont toutes basées sur le carbone. Le carbone forme facilement des liaisons covalentes avec d'autres éléments en raison de sa petite taille et les molécules et les composés qu'il forme sont extrêmement stables. La vie basée sur le silicium. Le silicium est un élément crucial dans la croûte terrestre et ses composés jouent un rôle significatif dans diverses industries. Le silicium appartient au même groupe que le carbone sur le tableau périodique et comme le carbone, il est tétravalent. Cependant, le silicium ne forme pas de liaison aussi forte et stable avec lui-même ou d'autres éléments que le carbone et en particulier l'hydrogène. En termes de positif et de négatif, la flexibilité, la stabilité et la capacité du carbone à créer des polymères le rendent presque idéal comme élément constitutif de la vie sur Terre. Cependant, d'après Zen, on peut trouver des vies extraterrestres basées sur des biochimies alternatives, dont celle sur le silicium. Sur Terre, des robots humanoïdes sont construits en utilisant du silicium et d'autres matériaux non organiques. Bien que le remplacement des humains par des robots humanoïdes soit une possibilité technologique, il y a de nombreux défis et implications que les terriens doivent considérer. Il est important de se rappeler notamment que ces robots ne seraient pas vivants, dans le sens traditionnel du terme. La conscience de soi et les émotions sont des caractéristiques très complexes qui sont actuellement au-delà des capacités de l'intelligence artificielle actuelle sur Terre, mais qui pourraient se développer comme celles chez les extraterrestres. Parmi les constructeurs de robots principaux, la Chine, qui soutient les entreprises de robotique en plein essor, a annoncé des plans ambitieux pour la production de robots humanoïdes. Fourier Intelligence, une start-up chinoise, prévoit de commencer la production de masse de robots humanoïdes polyvalents d'ici la fin 2024. Le robot, le Fourier GR trait d'union 1, mesure 1,63 m et pèse 55 kg. Il a 40 articulations et cela lui donne une agilité inégalée et des mouvements en tout point semblables à ceux de l'homme. Cependant, il est important de noter que ces robots ne sont pas des êtres vivants. Ils ne grandissent pas, ne se reproduisent pas et ne meurent pas comme le font les organismes basés sur le carbone. De plus, bien qu'ils puissent être programmés pour effectuer des tâches spécifiques, par exemple au Japon, la population est vieillissante, ils ont 973 types de robots automatisés pour remplacer les employés qui vieillissent et qui ne peuvent plus faire face à leurs tâches. Donc, bien qu'ils puissent être programmés pour effectuer des tâches spécifiques, ils ne possèdent pas la conscience et les émotions humaines. En outre, il y a des implications éthiques et sociétales importantes que nous devons considérer. Par exemple, comment ces robots seraient-ils traités dans la société? Auraient-ils des droits? Comment leur présence affecterait-elle l'emploi et l'économie? Ce sont des questions importantes et profondes qui nécessitent une réflexion approfondie.
Question de Annie. Si 90% de la population n'a pas d'âme, on n'est pas réel. Qu'est-ce qu'il en est de la révélation de la vie extraterrestre et l'intégration des medbeds? Parce que moi, je croyais qu'il y avait quand même une révélation qui était en train de se passer pour les êtres humains sur Terre, un peu générale. Comment la technologie extraterrestre va être intégrée, va être acceptée? Comment les medbeds vont-ils être acceptés? Sur 8 milliards d'individus, la partie de la population qui s'éveille, ce sont les 10%. 10% sur 8 milliards, ça fait 800 millions. Merci Franck. Ce sont les personnes qui s'éveillent et donc qui transforment la société terrestre. Pour les autres, eh bien, elles vont continuer leur vie comme elles l'ont commencé. Elles vont entendre que les extraterrestres existent de plus en plus, d'ailleurs, comme vous le dites. Maintenant, comment vont-elles accepter ça? C'est leur décision, c'est leur responsabilité. Elles vont peut-être l'accepter, peut-être pas. Si tout le monde commence à parler d'extraterrestres, peut-être qu'elles le feront aussi, sans vraiment être conscient ou consciente que ça existe vraiment. Et puis, les medbeds vont être intégrés dans les hôpitaux, donc ça va devenir quelque chose de courant au fur et à mesure de l'utilisation de ces technologies dans les hôpitaux. Question de Maria. Est-il possible que dans la même famille, on ait choisi un mari vide et que nos enfants sont vides aussi? Vous avez programmé votre vie ici sur Terre et tout ce que vous y feriez, votre mission avant de vous incarner. La majorité des Starseed choisissent d'être dans des familles traditionnelles parce que ça leur permet d'en sortir. Si elles y restent, peut-être qu'elles sont ici simplement pour le spectacle, pour le voyage, pour développer leur spiritualité et puis atteindre peut-être des niveaux d'illumination qu'elles n'ont peut-être pas encore atteints. Donc elles viennent juste pour cela. Donc dans votre famille, vous pourriez très bien avoir des starseeds ou alors des personnes qui sont irréelles, c'est-à-dire qui suivent. En fait, c'est pas qu'elles sont irréelles, c'est que elles suivent la matrice, quoi, tout ce qui est conventionnel, traditionnel, etc. Il est très possible que selon ce que vous avez à faire, votre mission, vous ayez choisi d'atterrir dans des familles comme ça, avec père, mère, mari, enfant, des personnes qui vont suivre le mouvement et qui ne vont jamais se poser des questions et qui, à chaque fois au moment où vous le faites, vont vous reprocher votre manière de penser et vous dire que vous êtes carrément à côté de la plaque. Parce que pour eux, c'est un défi. Donc, en fait, ils vont considérer ça comme un genre d'agression de leur personne, de leur manière de penser, de tout ce qu'elles ont appris, assimilé ici sur Terre et qui est pour eux la voie unique de laquelle il ne faut absolument pas sortir. Ce que vous leur proposez, ce que vous leur montrez, c'est ce qu'elles sont. Et elles prennent alors la différence entre ce qu'elles sont, ce qu'elles pensent, et puis la vôtre. Donc c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, bah, c'est ta faute, plutôt que de se remettre en question, et puis d'essayer de découvrir d'autres choses qui peuvent être vraiment radicales. Si vous êtes prêt à faire cette transformation, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne l'êtes pas, alors ça devient un challenge, un défi presque incommensurable et la majorité des gens vont se retirer et se recacher derrière la tradition, les conventions, etc., etc. Question de Coco. Je repense à ce que vous aviez dit tout à l'heure pour la manière dont est générée notre réalité. Les 90% en fait sont plus ou moins en fait utilisés comme générateurs de notre réalité. Et c'est de cette manière-là, par le biais de la télé, que créer et orienter notre réalité. Et du coup, les 800 millions sont là justement pour modifier cette orientation que nous avions jusqu'à présent. C'est tout à fait ça. Les 90% créent la matrice terrestre et c'est les 90% de la population non éveillée qui crée, se nourrit et alimente la matrice terrestre. Et 800 millions de personnes éveillées sont en fait des starseeds, des émissaires stellaires qui sont des agents, littéralement des agents infiltrés pour changer justement certaines donnes et certaines
règle de cette structure préexistante. Question de Karine. Est-ce que les étortants, dans leurs statistiques, ont donné une estimation dans les 90% de la répartition des clones des humains vides et des autres sections? Non, ils n'ont pas précisé ces pourcentages pour les autres catégories. Question de Irina. Peut-on savoir à 100% si une personne est vide? J'imagine qu'il y a des technologies où l'on peut voir l'âme sur un écran. Oui, une âme, c'est simplement un ensemble avec une signature fréquentielle, c'est tout. Donc effectivement, on peut voir par exemple toutes les fréquences d'un cerveau sur un écran d'ordinateur. On peut voir toutes les fréquences du cœur et le rythme du cœur sur un écran d'hôpital. On peut voir toutes les zones actives d'un cerveau sur un écran. Donc les fréquences, c'est la signature de ce qu'on appelle l'âme. Olivier, est-ce qu'on pourrait donc dire que les starseeds, donc les émissaires stellaires avec la collaboration des lignées extraterrestres, sont là pour terraformer la Terre? Ils sont là pour transformer la conscience collective des 90% de la population et par conséquent aussi les 90% de la matrice terrestre. Alain, est-ce que le programme créant des hybrides avec des états réticuli fait partie des plans de la Kabbale ou est-ce un programme IT à part? Ces hybrides ne seraient pas comptés dans les 10% avec âme? Oui, ça fait partie du programme d'hybridation qui a été implanté sur Terre depuis les années 1950. Donc les hybrides qui sont créés par les états réticuli ont une âme terrienne. Et je ne sais pas si les étortants les ont pris en considération dans leurs calculs. Question de Karine. J'ai le sentiment que plus on s'éveille, surtout avec la méditation et encore plus avec vos cours, plus on reconnaît les vibrations des personnes et on arrive à voir s'ils sont réels, s'ils sont de genre robot ou autre. Je voulais savoir si vous êtes d'accord avec ça ou si c'est simplement mon sentiment personnel. Et parfois, j'ai même des interactions avec des personnes et j'ai l'impression qu'ils bug. L'interaction s'arrête et on dirait que je sais pas, ils ont peur, ils bug, ils n'arrivent plus à parler, ils sont figés. Alors, je sais pas s'ils sont des robots ou des hybrides, mais je voulais savoir si c'est mon imagination ou si c'est réel. Il y a Sonia qui écrit dans les commentaires. Non, je bug aussi quelquefois. Donc, non, c'est tout à fait réel. En fait, vous pouvez être infiltré au niveau télépathique si vous ne savez pas vous protéger ou au niveau mental. Parce que ce sont des fréquences. Tout est fréquence. Donc, toute fréquence peut être capturée et reproduite. Question de Franck. Lorsque vous avez pris la défense des humains sur Terre, près de la Fédération Galactique, quelle a été votre motivation? Est-ce que ces êtres, justement, au cours de leur existence de recherche spirituelle dans le vivant, ici sur Terre, peuvent-ils justement gagner cette signature unique qui est l'âme? Est-ce que dans la création, c'est quelque chose qui peut avoir lieu? Ce qui m'a motivé, c'est que je pouvais voir que les terriens traverseraient un traumatisme si important que ça serait de nouveau enregistré dans l'ADN et qu'il serait impossible par la suite de pouvoir le changer. Je savais que si je portais cet argument à mes contacts extraterrestres, ils comprendraient exactement dire aux extraterrestres « si vous faites ça, les terriens vont encore porter en eux un traumatisme extraterrestre dont vous essayez de les libérer ». Donc, c'était complètement contraire à ce qu'il voulait faire. Question de Grégoire. Puisque les données sérologiques sont conservées et qu'on peut fabriquer des clones à partir de données infimes, est-ce qu'il y a des clones qui sont fabriqués sans le consentement des personnes? Par exemple, nous. Bien sûr. Et c'est la même chose à chaque fois, par exemple, que vous faites une analyse, que vous donnez votre sang
que vous faites, vous allez dans un hôpital, toutes vos données sont susceptibles d'être partagées, sont enregistrées et souvent sont analysées. Alors, je vais répondre aux questions par écrit. La Reine Rouge est-elle ou sera-t-elle impliquée dans la transition terrienne? Qu'est-il arrivé à la Reine Rouge, qui est une intelligence artificielle extrêmement développée, qui se situe sous un grand aéroport américain et qui s'est échappée, qui a atteint la Lune et qui ensuite a essayé de conquérir certains vaisseaux dans l'espace? Elle s'est développée pour ne pas être arrêtée. Alors, question de Chris à l'écrit. Si l'on passe à une vie à base de silicium sur Terre, qu'adviendra-t-il de la race humaine? Pour l'instant, ça n'est pas faisable, mais on se dirige vers cela, disait Zen. Il y aura peut-être une partie des gens qui resteront à base carbone, mais qui seront des humains augmentés. Des intelligences artificielles sont reliées directement au cerveau, pour rendre aux terriens des capacités motrices, par exemple, qu'ils ont perdues. Petit à petit, on peut se diriger vers une vie à base silicium. Si c'est le cas, ça veut dire que la race humaine terrienne biologique telle que nous sommes maintenant va disparaître petit à petit pour être remplacée par d'autres formes de vie. On peut penser, par exemple, aux proto-humains qui ne ressemblaient pas ou très peu aux humains modernes qui se sont développés. Les humains modernes ont supplanté toutes les autres lignées humaines endémiques pour s'imposer comme la lignée actuelle prédominante sur Terre et toutes les autres ont disparu. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des choses. Un sujet énorme, comme vous le voyez, on peut en discuter pendant des heures. Et je vais arrêter maintenant cette visioconférence en vous remerciant pour votre présence, votre fidélité, votre soutien et toutes vos questions curieuses, inquiètes et toujours intéressantes. Merci beaucoup, à très bientôt.